93 FM. Bonjour, restons sur les hautes instructions annonçant la création d'une commission mixte police-gendarmerie pour enquêter sur les terres que les barons de Yaoundé et leurs amis arrachent aux pauvres depuis 1982. Nous avons attendu jusqu'avant ces hautes instructions le tapage médiatique des débatteurs du dimanche, champions en théorie de l'envahissement ou en ethnofascisme, eux qui crient toujours au scandale chaque fois qu'un Camerounais achète 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés dans un village autre que le sien. Depuis là, on entend par leur voix. Depuis 2022 que nous dénonçons le vol des 95 hectares aux 35 villages de Tibati, on ne les voit pas nous emboîter le pas. Il y a eu cette correspondance du ministère des Domaines du 12 décembre 2023 accordant à un particulier une dérogation spéciale pour la mise en œuvre de la procédure de concession provisoire sur une parcelle de 400 000 hectares dans la Haute-Sanaga. 400 000 hectares, aucun de ces débatteurs du dimanche qui prônent le chacun doit rentrer chez soi n'a bronché sur un plateau. Il y a ce cas dans la Damawa où des prédateurs fonciers de 82 sont allés pour prendre 87% des terres de tout un arrondissement. Ces débatteurs du dimanche qui voient des envahissements sur des petites acquisitions de 500 000 mètres carrés n'ont pas bronché. L'excès de tribalisme les rend certainement muets lorsqu'il ne s'agit pas d'un acquéreur des tribus ou des ethnies qui font partie de leur cible politique. De toutes les façons, posons le vrai débat, celui du braquage foncier que le régime de Yaoundé veut combattre aujourd'hui après 42 ans de complaisance et de laisser-faire. Comme relevé hier, la période 2020-2024 ne veut rien dire. L'enquête doit s'intéresser à toutes les transactions foncières faites depuis 1983, première année du magistère du renouveau. Commencer seulement en 2020, c'est protéger tous les prédateurs, voleurs de terres qui ont opéré entre 1983 et 2020. C'est couvrir 37 ans de vol de terres. C'est inadmissible. Si la présidence de la République veut vraiment donner tout le sérieux attendu à l'enquête qu'elle veut lancer, qu'elle revoie ses dates. Vous ne pouvez pas nous laisser croire qu'avant 2020, il n'y a pas eu vol anarchique des terres des pauvres au Cameroun. Jamais. Sauf si vous avez une intention très manifeste de couvrir beaucoup de voleurs des terres et livrer seulement des têtes qui ne vous intéresseraient plus. Et pour la bonne transparence des enquêtes annoncées, il faut associer à la commission mixte police-gendarmerie quelques acteurs de la société civile et deux à trois médias très rigoureux dans le traitement de l'information. Sinon, on risque de se retrouver avec des enquêtes bidonnées ou complaisantes. En tout cas, la présidence de la République vient de baliser le terrain au prochain président de la République. Il n'y aura jamais de réconciliation au Cameroun sans justice foncière. Les gens de Yaoundé et leurs amis hommes d'affaires sans affaires ont foutu un terrible désordre dans le domaine foncier. Ils ont arraché des terres aux gens en désordre, arraché des terrains tigrés aux gens en désordre, arraché des terrains aux villageois en désordre. C'est comme ça qu'ils se sont partagés des terres prises aux populations sous le prétexte de l'utilité publique. Ils viennent chasser les communautés, arrachent leurs terres, disant qu'il y a un projet qui arrive, que l'État veut utiliser ces terres, mais par derrière, ils les partagent entre eux. Où est donc le projet? Les villageois chassés ou qui avaient donné leurs terres, pensant donner à l'État pour un bon projet, découvrent comment les gens au Prado et l'Encruiseur viennent verser le sable et voilà des châteaux qui commencent à pousser. C'est là où ils se rendent compte qu'ils ont été frappés par les braqueurs fonciers de Yaoundé. Et cette technique d'utilité publique qui est souvent utilisée pour faire avaler la pilule aux populations et cette histoire de concession aux entreprises. Depuis qu'ils arrachent des terres aux gens pour donner à leur soi-disant entreprise, laquelle d'entre elles a déjà fait quoi sur ces sites? Ceux qui ont pris 95 000 hectares à Tibati depuis mai 2022, qu'ont-ils fait sur ces 95 000 hectares? Quelle entreprise agro-industrielle a été construite sur ce site? Où est-ce qu'on peut trouver le bureau même de cette entreprise à Tibati? Ceux de Nanga et Boko dans la Haute-Sanaga, c'est quel type de parc agricole qu'ils voulaient seulement installer sur
400 000 hectares. Commencez même avec 30 hectares, on voit comment vous avez vraiment la volonté de faire quelque chose. On vous donne seulement comme ça du coup 400 000 hectares sans que vous n'ayez fait préalablement vos preuves agricoles ou agro-industrielles quelque part. Et d'ailleurs, de quelle agriculture parle-t-on finalement? Depuis 2011, des centaines de tracteurs neufs chôment dans les buissons de Bolova. C'est aujourd'hui qu'ils réalisent qu'il faut vraiment lancer l'agriculture. Ils chassent les populations de leurs terres et après rien. Depuis plus de 10 ans qu'ils ont chassé des pauvres familles d'un tabac ici à Yaoundé, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement de cet espace? Qu'est-ce qu'ils ont construit en tabac? Et la question même de l'impact environnemental et la question même des indemnisations. Prenons le cas des 95 000 hectares de Tibati, zéro indemnisation. Les plus chanceux avaient seulement reçu des cahiers d'une valeur de 10 000 francs CFA et c'était même dans un seul village sur les 35 concernés par cette spoliation. De toute façon, comme déjà précisé, si les gens de Yaoundé ne veulent pas être sérieux avec ces enquêtes, le prochain président n'aura pas d'autre choix que de les engager de manière sérieuse, sinon le Cameroun ne connaîtra aucune réconciliation. Bonne journée à vous tous. Bonne 93 FM.